Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo 2 de Ludola no Yo. Alors ça se dit Ludola no Yo, parce que c'est O-U, ça se dit, c'est comme s'il y avait deux O en fait. Et du coup, on se retrouve à Babel. Voilà, musique différente pour chaque ville je crois dans le jeu, je suis pas sûr mais il me semble. Et voilà, vous voyez déjà l'environnement a déjà changé. Il est trop bien le jeu. En plus c'est un jeu complètement inconnu en Europe quoi, c'est ça qui fait chier. Ouais, là vous voyez que son jet de bride est... Voilà, donc on va foncer direct à l'auberge. Ce qui serait bien, c'est que j'ai une magie d'attaque. Alors, si vous voyez que j'ai pas créé vos sorts que vous m'avez proposé dans les vidéos, enfin dans les commentaires, pardon, c'est tout à fait normal. C'est parce que là, j'enregistre plusieurs vidéos à la suite. Donc, là, depuis que j'ai commencé le jeu, j'ai pas encore pu voir de commentaires parce que j'enchaîne les vidéos. Et je les mettrai plus tard, vous en faites pas. Pour l'instant, Garlil est beaucoup plus efficace que Rydia. Riza, putain, faut que j'arrête de dire Rydia. Et vous voyez des petites. Des petits ronds là à droite, des points de vie, c'est la position des personnages en fait. Parce que lui, vu qu'il a distance, ben, il est derrière. Alors par contre, pourquoi il y a 4 ronds? Je sais pas. Ça voudrait dire qu'il y a 4 positions différentes? Non, c'est pas possible. Je pense que je vais faire ça, je vais maintenir le bouton. Bouton appuyer pour passer les dialogues et attendre un peu avant de passer au dialogue suivant. Pas grand chose à faire. Pour maintenant. Alors il me semble qu'il faut directement se reposer. Hop. Tac. Voilà. On va se barrer. Alors là ouais en gros il y a une pollution et en gros ils font payer une taxe énorme Putain, c'est super cher les objets. Une taxe énorme aux habitants à cause de la pollution alors qu'ils font rien pour l'empêcher quoi. Qu'est-ce qu'on a par ici? Fusil lune. Putain les prix de malade. Petit bouclier 1600. Je peux en mettre. Je peux en mettre. Ouais, je pourrais farmer en vidéo pour augmenter les niveaux et gagner un peu d'argent, mais on s'en fout un peu. Pour l'instant, c'est pas la peine. Après, c'est utile de faire ça aussi quand on fait des vidéos, parce que ça évite qu'on fasse des boss pendant un quart d'heure, quoi. Parce qu'on a des stats trop pourris. Pura. Il m'a dit Pura, hein. Pura, j'avais pas. Ouais, des fois, il nous donne des indications comme ça. Donc, vous voyez, en gros, là, bah, c'est comme les canas dans... Au Japon, c'est on a les A, E, I, O, U, enfin les voyelles là. Et là, toutes les consonnes avec les voyelles, enfin, c'est classé comme ça. Donc elle m'a dit Pura, 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 Pura. Il n'y a pas pu. Ah si, c'est bon. Ouais.
dommages de terre sur tout le monde. Enfin, ça c'est bien ça. Ah ouais, elle sert à cause des séismes. Ah, sympa ça. Du coup... Qu'est-ce qu'on a par là? Je fouille un peu. Hein. Ouais, je vois ça. Hein. Ils ont même pas de clean, ils ont rien, tu vois. C'est... Alors, on a une table et un lit. Manger, ça sert à rien. Je regarde s'il n'y a pas des trucs dans les tonneaux, mais en fait, je crois pas. Non, pas l'impression. Je sais plus dans le jeu si on peut avoir des trucs dans les tonneaux ou quoi. Alors. Ah merde, ça sort de la ville. Merde! Je pensais que ça allait dans, dans une autre zone de la ville. Alors, du coup, je sais plus exactement où faut aller. Ça, je crois que c'est ouais, c'est après. C'est pour aller voir le maire. J'ai l'impression qu'il y a un truc par là. Ça sert à rien. Voilà, bon, il y a beaucoup de maisons qui servent à rien, qui sont vides. Mais bon, au moins c'est un peu réaliste qu'il y a des maisons. Les musiques sont sympas, par contre il y en a, elles sont vite chiantes, comme celle-là. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Le bidonville. D'accord. Ah, je pense que c'est là qu'il est allé, de toute façon. Donc là, ouais, ouais c'est la partie pauvre, on va dire, des quartiers. Ah bah si, si, on obtient bien des trucs. J'ai obtenu une saleté, c'est... Génial. Au fond de l'ombre. Alors là, c'est El Netra. C'est la prophétie. Hein. Ah oui, d'accord, c'est... C'est un mot de passe chacun. Ils danseront. Et... Le bleu, ils protégeront. En même temps, le reste, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire ce qu'ils ont dit. Bref. Et nous? Et nous? Alors. Tac. Bon, des fois, des traductions, c'est un peu bizarre. Après, bon, c'est traduit de japonais, c'est pas facile. Alors si vous savez pas ce que c'est les Danans d'ailleurs, faut regarder la vidéo 0 où il y a l'intro. Elle dure quoi, une minute ou deux. En gros c'est une race qui a vécu il y a longtemps et qui avait le savoir. Il y avait, voilà, avant les humains il y avait 4 races. Les géants, les Danans, les sirènes et je sais plus, les lézards, un truc comme ça, les reptiliens. Ouais. Voilà, donc maintenant c'est la nuit. Et maintenant que c'est la nuit, on peut, je crois qu'on peut aller à des endroits où on pouvait pas aller avant. Je regarde juste s'il y a des trucs. Ce bordel. Ah ouais. Un labyrinthe le truc. Ça c'est déjà trop pour moi niveau. Putain chaud. C'est vraiment la dèche. Du coup là y'a rien. Ah ouais, y'a les enfants qui sont malades, machin. C'est bien foutu le truc de la pollution je trouve.
Salbot. Alors Salbot, il me semble que c'est un équipement. Saleté. Alors en fait, saleté, c'était un chapeau. Putain, alors ça fait deviner aussi. Salbot, ouais voilà. Plus de défense magique, moins de défense. Ah, comme je vous ai dit, la traduction sont pas toujours géniales. Mais bon, les dialogues sont bien. Enfin, sont vraiment compréhensibles. C'est surtout au niveau. Ouais, au niveau des objets. C'est un peu dégueulasse comme, comme la ville. Comme l'atmosphère. Alors, on va dire. On va retourner à l'auberge. Je sais plus où c'est. Putain, c'était où? C'était pas là. Ah, parce que là en plus on a des kanji au-dessus des fenêtres, je peux traduire ça moi. Parce que je parle pas japonais hein. Je sais dire 2-3 mots, voilà. Je sais lire 2-3 trucs. Putain c'est où? Ah vous voyez hein, là il y a un espèce de truc vert chelou qui brille. Putain de merde. Ah voilà, c'est bon. Je sais plus exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut redormir. Ah oui, voilà. Ouais, alors. Il va plus dire toi et moi au lieu de Rizawa. Donc, on a par la porte arrière. Ouais. Ok. Putain, ça va, c'est pas trop compliqué. Je suis mon destin. Enfant du soleil. Vraiment pas mal l'ambiance avec la musique. Maintenant on fait un rêve.
mal ça. Ouais, vous voyez, hein, on a fait quoi? Même pas une heure de jeu. Même pas 40 minutes de jeu. Hein. On a déjà fait pas mal de trucs. Je trouve qu'il se passe toujours des trucs dans le jeu, c'est impossible de se faire chier. Du coup, on va se barrer. Voilà, et on est au jour 2 normalement. Ouais, c'est ça. Voilà, là, on est au jour 2. Donc, on vient de faire le jour 1. Et du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est un jour par vidéo. Donc du coup, on va sauvegarder. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et en fait, j'avais dit que je ferais un autre perso, mais vu que là, on est proche d'un événement assez important pour Risa, on va encore faire une vidéo avec Risa, et puis ensuite, on va changer. Cette fois, c'est sûr. Donc on va sauvegarder. Voilà. Donc on a fait le jour 1 de Risa. Et on se retrouve pour le jour 2 à la prochaine vidéo. J'espère que vous appréciez toujours. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut.